Allez, nouvelle tentative. Non, ça ne va pas aller une nouvelle fois. Ils sont 16 hein, au départ. 8 au premier échelon, 8 au second. Allez, nouvelle tentative, les concurrents qui se rassemblent. On volte. Et cette fois-ci, le départ est validé pour cette sixième course du jour, le prix et les hasards. Nouvelle course au trot, il y a 2600 mètres à parcourir, 16 chevaux. Au départ, avec un excellent départ pour le numéro 4, Espoir 2, Dufel, qui prend tout de suite le commandement de l'épreuve. Le numéro 2, Ederna Deval, est en deuxième position devant le numéro 6, Élite de la Vita. On est bien parti également avec le numéro 11, Etna de Vendel, qui rendait la distance et qui se retrouve tout de suite dans le groupe de tête. Un petit peu plus loin, le numéro 13, Elite Street, qui rendait également 25 mètres, se retrouve en cinquième position et précède le numéro 7, Églantine du Roc. Un petit peu plus loin se rapproche le numéro 3. Herst de Lucas. Les concurrents qui abordent la ligne d'en face pour la première fois, on vient de disqualifier le numéro 12, Évidence Renée, qui s'est montré fautif dans le premier tournant avec le numéro 2, Ederna Devel, qui a l'avantage, le numéro 11, Etna de Vendel, qui vient lui mettre la pression à son extérieur. Côté corde, le numéro 4, Espoir 2, Dufel, est en troisième position. À ses côtés se rapproche le numéro 13, Elite Street, qui est passé en quatrième position. Côté corde, on retrouve Elite de la Vitar. Un petit peu plus loin, on note la présence du numéro 7, Églantine du Roc. Nouveau tournant. Avec désormais le numéro 11, Etna de Vendel, qui a pris l'avantage et qui a relayé en tête le numéro 2, Ederna Devel, qui est donc en deuxième position à l'extérieur. Vient le numéro 13, Elite Street, qui est troisième, le nez au vent. Le numéro 4, Espoir de Dufel et Jean-Charles Piton sont en quatrième position, plutôt le long de la corde, avec dans leur sillage le numéro 6, Elite de la Vitar. À l'extérieur, on tente de venir avec le numéro 7, Églantine du Roc. Concurrents qui vont passer devant les tribunes. Avec toujours ce numéro 11, Etna de Vendel, qui a l'avantage à ses côtés. Le numéro 13, Elite Street, associé à son entraîneur Benoît Barbier, en troisième position à l'extérieur. Le numéro 4, Espoir de Dufel, qui bénéficie d'un très bon parcours. Quatrième côté corde, le numéro 2, Ederna Devel. Le numéro 6, Elite de la Vitar, et vient un petit peu plus loin, accompagné notamment par le numéro 9, Eben de Magalou. Avant-dernier tournant. Avec toujours le numéro 11, Etna de Vendel, qui a l'avantage sur le numéro 2, Ederna Devel, qui est deuxième côté corde à 1000 mètres du poteau. Le numéro 13, Elite Street, est en troisième position à l'extérieur. Le numéro 4, Espoir de Dufel, qui est toujours quatrième, bien caché à son intérieur. Le numéro 6, Elite de la Vitar. Un petit peu plus loin, le numéro 7, Églantine du Roc. On tente de revenir avec le numéro 3, Herst de Lucas, ou encore avec le numéro 1, Hello Jolie, qui progresse côté corde. Les concurrents qui se dirigent vers le bout de la ligne en face avec le numéro 11, Etna de Vendel, qui a toujours l'avantage, mais qui est attaqué désormais par le numéro 4, Espoir de Dufel, qui va venir prendre l'avantage pour aborder le dernier tournant et qui vient relayer en tête le numéro 11, Etna de Vendel. Le numéro 13, Elite Street, est en troisième position devant le numéro 2, Ederna Devel. On tente de revenir avec notamment le numéro 8, Ezia de Naples, les concurrents qui vont bientôt sortir du tournant final avec le numéro 4, Espoir de Dufel, qui a l'avantage. Le numéro 11, Etna de Vendel, qui revient dans son sillage. Ensuite, on note une nette cassure pour retrouver le numéro 13, Elite Street, et un petit peu plus loin, le numéro 15, Étoile Gala, qui s'est bien rapproché. Ligne droite finale, il devrait y avoir une lutte pour la victoire entre le numéro 4, Espoir de Dufel, et le numéro 11, Etna de Vendel, qui va tenter de se relancer avec les concurrents qui sont à 100 mètres du poteau. Le numéro 4, Espoir de Dufel, qui va s'imposer facilement dans cette. Et on a disqualifié dans les derniers mètres le numéro 4, Etna, Espoir de Dufel, et c'est le numéro 11, Etna de Vendel, qui va s'imposer. Deuxième place pour le numéro 15, Étoile Gala. Troisième, le numéro 6, Élite de la Vitar.